Je vis ici à la frontière du Kenya et de la Tanzanie, au pied du Kilimandjaro. Depuis 1983, je suis installée à Amboseli et je n'en suis jamais repartie. Je suis heureuse lorsque les gens m'appellent femme de la brousse, car je me considère comme une vraie femme de la brousse. Ma rencontre avec Cynthia Moss, fondatrice du projet de recherche sur les éléphants, a été décisive. À l'âge de 18 ans, elle m'a proposé de l'aider à étudier les éléphants. Depuis, je suis devenue leur mère. Au début, les éléphants ne m'intéressaient pas. Je ne me voyais pas travailler dans la brousse auprès d'eux. Un jour, j'ai décidé de me lancer réellement dans cette aventure et j'ai suivi Cynthia. Nous avons approché les éléphants ensemble. Ils m'effrayaient, ils étaient si imposants. Puis, j'ai compris qu'ils pouvaient être attachants et passionnants. Et j'ai décidé de persévérer. Je suis d'origine Kikuyu, l'une des plus grandes tribus du Kenya. J'ai grandi dans cette région. Elle m'est familière et j'y suis vraiment attachée. Ici, il n'y a jamais de temps mort. Lorsque vous êtes dans la brousse, vous voyez plein de choses différentes. Vous n'avez jamais le temps de vous ennuyer. Les éléphants parcourent de longues distances et pour les retrouver, il faut de la patience et une grande connaissance de leur comportement. Souvent, mon instinct me guide vers eux. La plupart des mâles en rut sont très agressifs et parfois ils peuvent charger. Mais je connais les plus dociles et les plus virulents. Je n'approche jamais des plus agressifs, car ils sont imprévisibles et dangereux. Ce mâle ne fait pas partie de la population sédentaire du parc. Il semble nerveux et risque à tout moment de charger. Quand je me suis associée au projet, il y avait un éléphant que j'adorais. Il s'appelait Elian. À Amboseli, tous les éléphants ont un nom et sont reconnaissables par la forme de leurs oreilles, par la taille de leur défense et par leur silhouette. À cette époque, Elian était âgé de 50 ans et il était mon éléphant préféré. Plus tard, lorsque j'ai eu un fils, je lui ai donné le nom de cet éléphant. À la Fondation, nous sommes trois femmes à exercer ce métier pas comme les autres. Les conditions sont dures et ce genre de travail est en général réservé aux hommes. Tous les jours, tous les matins, il faut être sur le terrain. Pour déterminer l'ADN de ce jeune mâle, je dois prélever un échantillon de son excrément. Je le reconnais, il fait partie de la famille dont le nom commence par un T.
Je dois donc à présent prélever la partie supérieure de l'excrément. Il faut le faire rapidement, dans les 10 minutes, au risque de perdre les éléments d'ADN. Après analyse, cela va nous renseigner sur l'appartenance familiale de cet éléphant. Qui est sa mère? Lequel est son frère? J'agite le tout énergiquement pour que l'ADN reste fixé. Ensuite, quelqu'un sera chargé de l'emmener aux États-Unis, car il n'est pas possible de faire cette analyse au Kenya. Je garde cet échantillon jusqu'à ce qu'il parte au laboratoire. Je me rends du côté de Kitirua pour voir s'il y a des éléphants qui viennent de Tanzanie. En effet, il y a un petit village Maasai près de la frontière et je veux m'assurer que la population ne rencontre pas de problème. Parfois, il peut y avoir des heurts avec les grands mâles. Quand les éléphants passent près des villages, il leur arrive de charger et de tuer des vaches. Cela met souvent les Maasai en colère et ils ripostent avec des lances pour se protéger. Nos relations avec les Maasai sont très bonnes. Nous arrivons à protéger les éléphants ensemble. Les Maasai nous aident beaucoup à lutter contre les chasses illicites et le braconnage qui ont lieu sur leur territoire. Ils nous préviennent ou alertent directement les rangers. Ils ont une méthode que j'aime beaucoup pour éviter que les éléphants ne les sentent. Ils frottent le sol et jugent d'où vient le vent grâce à la direction de la poussière. Ainsi, ils peuvent contourner l'éléphant sans que celui-ci ne les repère à leur odeur. Ils sont vraiment perspicaces et intelligents. Cela fait 18 ans que j'habite dans le parc d'Amboseli. Pendant toutes ces années passées à travailler avec les éléphants, je ne m'en suis jamais lassée, je ne me suis jamais ennuyée et je ne pense pas d'ailleurs pouvoir travailler autre part qu'ici. Les éléphants font aujourd'hui partie intégrante de ma famille et je suis vraiment heureuse de faire ce travail, même si les conditions ne sont pas toujours idéales.
This is the tough part when we get puncture. Ça, c'est le mauvais côté du métier lorsqu'on crève, surtout lorsqu'on est seul, sans homme aux alentours pour vous aider. C'est dur de changer un pneu et pourtant, cela arrive souvent ici. Mais j'ai l'habitude. Et seules des femmes expérimentées peuvent faire cela. Les vraies femmes de la brousse. Bush women. Il fait très chaud à présent. C'est dur de devoir faire cela par cette chaleur. Parfois, il m'arrive de devoir changer deux roues dans la même journée. Tout dépend du terrain où je dois rouler pour suivre les éléphants. C'est ici, dans le quartier des employés d'un lodge, qu'après le travail, je viens prendre du bon temps. Je prends un verre et parfois je joue aux fléchettes ou au billard. Après le travail, c'est le seul endroit où je peux avoir une vie privée et me relaxer le soir. Mon ami et moi sommes les seules femmes dans ce milieu d'hommes, et c'est bon de se retrouver le soir. À l'autre bout de la réserve se trouve le quartier général des Rangers. C'est un endroit familier où je me rends souvent pour discuter des problèmes liés aux éléphants. Là aussi, je suis une des seules femmes à côtoyer les 85 militaires qui gèrent le parc et ses animaux. Je viens ici faire le point avec le chef des Rangers. Je dois lui faire un rapport sur tout ce qui se passe dans le parc, comme les déplacements des éléphants ou les graves problèmes qu'ils causent aux populations indigènes. C'est sur ce point que les Rangers et moi coopérons. Karibu. Salam. Les Rangers m'ont donné un surnom. Ils m'appellent, pour plaisanter, la mère des éléphants. Voilà l'endroit où je travaille. C'est mon bureau. Je ne pense pas que je pourrais travailler ailleurs. Deux fois par semaine, je dois remplir le réservoir d'eau douce pour le rapporter au camp. Avant de pouvoir m'occuper de moi-même, je dois penser à accomplir les tâches de survie. Je ne suis pas une experte en mécanique, mais je dois vérifier quelques niveaux. L'eau, l'huile, le liquide de frein.
break free. I'm good in that. Ah, pour ça, je m'y connais. En pleine palmeraie, je vis dans un camp, parmi les éléphants. C'est une véritable oasis au milieu de la savane désertique. Mais la piste est difficile. Nous voici dans le camp des éléphants. Voici notre douche. You get your shower. We heat up water in this drum. On remplit d'eau ce baril et on fait du feu en dessous pour chauffer l'eau. Dans le camp, il n'y a pas d'eau. Il faut aller la chercher au lodge le plus proche et nous la payons très cher. Chaque jour, après les analyses sur le terrain, je rentre les informations sur mon ordinateur. Those are pictures. Ces photos sont utilisées pour identifier les éléphants. Mais en ce qui me concerne, depuis le temps que je vis ici, je n'en ai plus besoin. Je suis capable de les reconnaître tout de suite. Je peux dire leur nom rien qu'en voyant le contour de leurs oreilles et leur silhouette. C'est une vie très agréable ici, seule, en pleine nature. Quand un éléphant meurt, on récupère sa mâchoire inférieure. Celui-ci s'appelait Lexi. Il est mort naturellement et comme vous pouvez le constater, il n'avait qu'une défense. Vous voyez à l'intérieur, il n'y a qu'un trou. C'est facile, rien qu'en regardant le crâne, de dire s'il s'agit d'un mâle parce qu'il est vraiment de grande taille. And easy to tell, it was a skull of a male because it's very big. I have two boys. J'ai deux enfants qui sont en internat. Lorsque le plus jeune vient me voir, il adore aussi se retrouver au milieu des éléphants. La dernière fois qu'il est venu à Amboseli, il a dit que plus tard, il voulait devenir chercheur comme sa mère. Ma famille compte 9 frères et sœurs, et ils pensent tous que travailler avec ces Njombo, comme ils les surnomment, n'est pas commun. Mais j'ai su les convaincre que les éléphants et mon métier étaient passionnants. Aujourd'hui, ils me respectent et sont très fiers de moi. They respect me. They are very proud of me. I'm not married. Je ne suis pas mariée. Je vis seule. Si j'avais un mari, je ne pense pas qu'il voudrait que j'exerce ce métier, qui peut être parfois dangereux, surtout pour une femme. Toutefois, je me sens une vraie femme de la brousse, une femme forte. Oh mon Dieu, je me suis encore embourbée. Ça m'est déjà arrivé de m'embourber ici. De plus, j'avais oublié ma radio. J'ai donc dû marcher jusqu'au lodge et risquer de mauvaises rencontres. Mais
Mais aujourd'hui, j'ai de la chance. L'enlisement est peu profond. Parfois, quand je prends 2 jours de repos, je vais à Nairobi chez le coiffeur et je m'achète des habits. Et surtout, cela me permet de souffler un bon coup. Puis je reviens vite dans la brousse. La vie dans les grandes villes m'ennuie. Finalement, quand j'y pense, j'ai consacré toute ma vie aux éléphants et j'espère bien mourir ici au milieu d'eux. Après tout ce temps, c'est ici que je veux mourir. Pardon, je ne fais que passer, ce n'est que moi. Quand je m'approche des éléphants, je m'excuse et je me présente à chacun d'entre eux. Le travail de cet après-midi consiste à recenser tous les éléphants. Ici, en particulier, il y a 2 familles, celle de Obis et celle de Pisces. Je vérifie s'il n'y a pas de nouveaux éléphantaux ou s'il ne manque pas un membre de la famille depuis mon dernier passage. Hello. Good morning. Morning, girls. Hi, Judy. Je trouve qu'avoir des relations avec les éléphants est bien plus enrichissant qu'avec les êtres humains. Je me sens heureuse de travailler avec eux. Je les aime tant. Aujourd'hui, ils sont ma vraie famille. Mmh.